L'expression « avoir une vie de chien », vous connaissez? Eh ben moi, j'avais la pire qui soit. Et puis... C'est celui-là que je veux. On a la même couleur de poils. J'ai dit pas de chien, et quand je dis non, c'est non. Tu vas l'appeler Bill? Ouais, comme Bill l'éclair. Bill l'éclair. Hé, hey, c'est mon nom, là, en orange, là. Qu'est-ce que ça sent? On s'est roulé dans une crotte. C'est bizarre, leur manière de faire des promenades. Désolé, monsieur le routier, mon mari promène son chien. Par ici, la boule qui honte. Allez, dites-moi, pourquoi tu l'as lâché? Vous avez dit qu'il fallait pas prendre de chien. En même temps, c'est plutôt un truc de chat de faire ça. Vous l'avez dit que vous m'auriez pas vivant. Ok, on est parti sur de mauvaises bases. Eh, je vais me le mettre dans la poche. Bouchez, Bill, ça m'amuse pas. Oh, ça marche, il s'éclate. Ça s'est pas passé du tout comme prévu. J'aurais peut-être dû le laisser gagner. On va déménager? Oui. Qu'est-ce qui se passe? On sera pas séparés, Bill et moi. Mais non, bien sûr que non. Ah voilà, ça c'est de la promenade. Mais où est-ce que tu nous as emmenés? Je vous présente Caroline. C'est moi. J'ai une vie géniale. Je suis gardeuse de chiens. Ah, elle m'appelle. Ah, toi ça va, hein? Ouais, non, elle m'appelle pas. Tu travailles, je travaille. Je suis un homme comme les autres. Vous allez pas divorcer? Oh, arrête avec ça. Écoute, pourquoi on divorcerait? Tu vois bien qu'on s'aime, ta mère et moi. Il y en a marre. Faut faire quelque chose. Ils ont vraiment un problème avec les promenades dans cette famille, madame. Oh, c'est ton chien, il a l'air gentil. Alors, qu'est-ce que vous manigancez? Waouh! T'as sûr, c'est pas comme ça qu'on tient un chien. Eh, hey, c'est moi ça! Tu m'as drôlement bien réussi. J'ai la taille aussi fine? Non. Aïe. Ah là, c'est la gaffe. Si. Ouais, c'est encore mon nom là! Votre fils et votre chien m'ont agressé dans l'escalier. Ah non, ça, on n'a pas de chien, je leur ai dit pas de chien à la maison. Et j'ai dû céder.